Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour visiter le musée qui est juste derrière chez moi. Donc c'est pas pour une enquête paranormale. Tout simplement on est là pour visiter et je suis accompagné de Jérémy. Salut à tous, c'est et... Ouais voilà. Là je sais pas si on peut y aller. Parce que je vois que c'est ouvert. Donc attends, t'as le plan là. Parce que regardez, en plus on a un plan les gars. Donc si vous voulez aller visiter, bah justement c'est le fort des dunes de l'Ofrancook. Voilà. Le premier est là. Ok, t'es sûr? Ouais. Ah ok, on va y aller. Mais non, il y a marqué numéro 3. Il y a marqué numéro 3 là. Donc le 1. C'est là-bas, viens, attends. Allez. Alors attends, là il a marqué. Elle va pas très bien. 5. Là il a marqué 5, là il a marqué 4. Et là-bas c'est le combien alors là-haut? 6. Ah ouais, attends, 5, 6. Oh, attends, regarde bien, attends. On va essayer de regarder, attends, le 1. Et l'accueil, elle est où, l'accueil? Non, l'accueil, c'est là. Hein. Ouais, c'est là. Bah, le 1, bah ouais, bah c'est ici, alors. Bah, en fait, c'est ça, en fait, le premier, en fait. Ouais. Donc, du coup, bah, le 2, bah, je sais pas où il est. Ah non, il y a pas de logo. Où ça? Ah, mais là-bas, c'est fermé. Attendez, fais une minute, les gars. C'est vers là-bas. Putain, j'entends des gens qui parlent. Je sais pas si on a le droit de rentrer. Je pense qu'on a le droit. Ouais. Je sais pas si on a le droit. Hein. Attends. Ça fait flipper. Ah, au pire. On va quand même aller. Je sais pas si on a le droit, mais on va quand même. C'est juste des escaliers. Fais gaffe. Ah, ils sont petits les... Non, enfin, ils sont grands. Donc là, les gars, je vais mettre sur mes deux chaînes YouTube, le paranormal, donc c'est pas une enquête paranormale. C'est juste pour visiter, nous, voilà. Vu qu'on avait fait les blocos, on avait trop fait de vidéos blocos pour les quêtes, pour l'enquête. Donc du coup, on va monter par là. Alors, regardez, voici la preuve. Il a un petit peu trop de vent, donc c'est pas trop grave. J'allais là. Ouais, écoute, on va descendre par là. Quoi? Il y a rien ici. Ouais, mais il y a encore un escalier en face. Eh oui. Tu l'as vu, tu l'avais peut-être pas vu, je pense. Non. Ah, voilà. On se regarde parce qu'ils sont trop grands les escaliers là. Ah, donc il faut bien. Ah ouais. Il faut bien faire des pas. Hein. Allez. Non les gars, je fais ça pour vous. Hein. Voilà. Et aussi ça me fait une petite sortie parce que je charge jamais. Et donc c'est parti, allez go. On va monter par là. Allez. Ça fait bizarre de venir ici, putain. Ouais. Ça fait 15 ans que je suis pas venu. Donc. Là, je vais mettre le téléphone dedans. Belle vue chez eux. Ouais, très belle vue. Une belle vue de mon petit village en face. Donc là, on est où? On est là. Ouais, 6, ouais. Je pense qu'à l'intérieur aussi, ils ont dit qu'on a le droit aussi. Ouais. Voici mon village, vous l'avez jamais vu. Mais le voilà. C'est quoi ça? Tu vois, gars, il est encore là, tu vois. Mais je pense qu'on n'a pas dû aller. Je pense que c'est encore entre vous, j'en sais rien. Parce que je vis qu'il y avait des barrières encore. Oh, fais la guerre, les orques à eux.
danger. C'est petit, hein. Ouais. Prends une petite photo. Pose hors cave. Je fais une petite vue coupée et j'arrive. Bonne question, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un bon. Bon. Alors. Le haut de fort. Ouais, le haut de fort. Donc on est là tout simplement. Et le musée s'appelle comme ça si vous voulez visiter. Si vous habitez Dunkerque ou alors Cambrai ou Valenciennes, si vous n'êtes pas loin. On est tous du nord. On voit ça, les bus aussi. Ouais. On voit les bus de voilà, merde, un peu Dunkerque. On voit le canal à peu près juste à côté de TT Game. Ah oui, ouais. D'ici on le voit. On voit d'ici. Avec le drapeau de France. Eh ouais, notre fierté. Ah ouais, on a gagné la bataille hein, il y a très très longtemps. Même moi j'étais pas né. Parce que j'ai pas mangé du poisson pané. Le blanc ira de mal. Eh oui, bah oui. Regarde toujours moi. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh non, on n'a pas envie d'y aller, il y a une chaîne. Non, ça veut dire qu'on... c'est une chaîne, ça veut dire qu'on n'a pas envie d'y aller. Ouais. Là, il y a encore là, tu vois. Ouais. Non, c'est rien, l'école, les gars. Il n'y a pas un attentat ici. C'est juste, c'est normal. Donc, on est où ici? Donc là, il y a marqué danger, on peut pas encore aller. Il y a un tracteur. C'est Jérémy qui est venu au tracteur aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? La défense contre avion. Les messieurs là qu'on soutient, qui sont là pour la France tout simplement. Une grande pensée à eux. Bon, là nous aussi c'est petit quand même. On a le droit, t'es sûr? Après, il fallait peut-être pas passer par là, il y avait quand même... Je vais faire le tour. Non les gars, c'est pour vous, hein. C'est pour toutes les enquêtes qu'on a fait. Donc c'est un petit cadeau pour vous pour 2019. C'est pour les avions. Les avions. Ouais, à mon avis. Comme vous pouvez voir, donc les vis pour la plateforme. La belle plateforme avec un canon de vin. Ouais. Bon, on va descendre. Il y a encore un truc. Je vais prendre quelques photos pour David. T'attends. Il me semble que ça, j'avais pas pris. Avec le drapeau de la France, j'allais couper la vidéo sans faire exprès, mais oh, moi j'ai pas appuyé sur le cliché pour ta vidéo. Moi j'ai pas fait ça. On a 8 minutes de la vidéo. On va descendre, Jamy. Allez, ouais. Après on ira à l'intérieur, ok, Jamy? Ok, mais par contre, je fais pas les gens, on va filmer les chaussures. Quoi. Voilà, c'est là qu'on vient. En plus, c'est là l'accueil, les gars. L'accueil est là, on est juste là. Alors, c'est quoi ici? C'est en anglais. Moi je comprends pas l'anglais et je pense qu'on peut pas y aller là. Français. Ah ouais, c'est vrai. Le pavillon des cadres. Donc là, c'était une représentation de début juin 1940. Si vous voulez faire une pause dans la vidéo pour juste lire, je vais bien me mettre en face. Si vous voulez faire une pause, n'hésitez pas à faire une pause pour regarder, pour lire. Allez, on va descendre, Jérémy. Ouais. Ok, allez, vas-y. Donc là, je pense qu'on a fini, je pense. Mais là, du coup, là, tu vois, là, tu vois là-bas, il y a des portes ouvertes là-bas. Là-bas. Ouais, ouais. On a droit d'y aller, donc on va y aller justement. Non, c'est fermé. En fait, on est obligé de faire le tour, et c'est fermé. Attends, je vais faire une coupure. Je reprends une photo. Il y a du vent aujourd'hui chez nous. Hein. Oui. Là, on peut pas y aller parce que là, c'est fermé. Ça, bah ça on l'a visité tout à l'heure, hein. C'était tout pour les radars. Putain, avec le vent, ça fait pleurer les yeux, putain. Donc là les gars, je vous retrouve à l'intérieur, à tout de suite. Bonjour les gars, là on est à l'intérieur. Venez, on va visiter là bien. Non, par contre on fait pas le coup là.
T'imagines, on attend des esprits là. Ouais. Des esprits de soldats. Il y a toute que la carte. Ah, je reconnais ce pays là. Enfin, cette ville. Il y a Combray, où tu sais qui habite. Je pense qu'il y a Lens. Est-ce que tu vois Lens? Ah, il y a Arras là. On ne voit pas Lens. Il n'y a pas Lens. Donc voilà, nous on est là. Donc c'est le terrain justement. Ah, il y a mon pote qui est là. Mon pote, je dis comme ça. Hein. Ah, il y a un focus. Histoire de la batterie de Zutiot. Et c'est là qu'on avait fait une vidéo en plus. Oui. C'est la batterie. Regarde, justement, regarde. En plus, on voit avec le truc, tu vois. Voilà. Allez. Ah, regarde, tu vois, c'est les blocos, regarde. C'est les blocos qu'on avait fait une vidéo pour l'enquête. Pourquoi touche pas Tu vois. Là, c'est là qu'on avait fait une vidéo et tout. Ouais. Pendant l'enquête paranormale. Ça, par contre, on ne l'a jamais vu. Non. Ah, si. Par contre, ça, j'ai jamais vu ça. Non plus. Je sais pas. Tu vois, bah ça c'est justement les blocos là. Les blocos là, bah ça c'est ça, c'était comme ça avant. Avant que ça ait été un petit peu endommagé, détruit. Enfin, je pense. Donc voilà. Par contre, pendant la vidéo, les gars, je vais pas beaucoup parler, ok? C'est une vidéo quand même spéciale, sauf que je vais pas beaucoup parler. On va aller visiter les autres. Putain, j'ai mon pote. On l'a déjà visité, lui? Ouais, après la guerre. Ouais, oui, t'inquiète. Bah, tout ça, c'est les Blue Coast. Oui. Donc ça, c'était l'entrée, tu vois. Mm-hmm. Mais nous, on passait tout le temps par là, tu vois. Ouais. Parce que, gars, il y a la maison là. Là, il y a le truc. Ah, il était... Tu vois le truc où j'avais fait l'enquête, le dernier enquête. Oui. Bah, c'est là. Et bah, c'est ça. Ah oui, oui. 19e siècle. Là, c'était des garages. Ouais, voilà, les garages pour les véhicules. Justement, bien vu, Jim. Parce qu'il y en a qui garage, justement. Je fais une petite élue, j'en reviens, on va visiter l'autre. Quoi? Ah, regarde, c'est la guerre, regarde. Il y a le beffroi. Et avant, c'était ça, tu vois, c'était un château avant. Putain, c'était comme ça. Ça, c'est bizarre, c'est marqué Dakar, je sais pas quelle langue. Dvin, Kek, je sais pas quoi. Bon, il y a la gare de France là. Il y a Paris et tout. Bon, allez, on va aller visiter là. Je sais pas pourquoi parler parce que faut pas interroger les gens. De l'autre côté. On a le droit d'y aller là, c'est bon? Ok. Le fort des dunes au fil de l'histoire. La poudrière à local. Ça fait flipper quand même d'être dedans. Ouais. La défense du fort. De 1880 à 1940, le fort devient simple. Car c'est vraiment un lieu. Mais regarde, ça c'est l'entrée. Mais tu vois, avant c'était comme ça avant. Ouais. Tu vois, il y avait juste ça. Maintenant, c'est pas du ça. Maintenant, c'est. Mais avant c'était comme ça. Ça c'est l'entrée du musée. On dirait le truc de GTA V dans le désert. Ouais. Voici, je. Attends, 6-7 ans 1944, le jour. Ouais, donc voilà. Je pense que vous savez. On va pas parler, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Bon, allez, je vais prendre une photo. Tu imagines, on voit un esprit qui... Attends. Allez.
On va visiter les autres encore. Donc ça, les gars, ça a servi pendant la guerre. Justement, en plus, ça se voit. Ça se voit en plus. Hein. Parce que... ça devait quand même être posé lourd, ce truc. Je pourrais pas le porter. Ça, c'est là. En fait, les gars, qu'on a trop, vous inquiétez pas, c'est pas des esprits, c'est juste une télé pour regarder l'histoire, en fait. Ça a dû filmer avec des drones et ça a dû mettre un grand toit. Ouais. Tu vois, il y a encore une autre pièce derrière. On va y aller juste après. C'est très beau, hein. Ouais. Ça a vraiment bien changé. C'était pas comme ça il y a très très longtemps. Ça se voit, ils ont fait bien les travaux. C'est tout propre, trop bien fait. Ça fait flipper ici. Non, je rigole. Par contre, ça sent encore le truc de la guerre, je pense. Il y a une pièce, je pense, mais on va y aller. Non, c'est rien là-bas, on peut plus. Il n'y a plus rien, Jamie. Il n'y a plus rien. On peut retourner en. Il y a une pente en plus. Parce que je vois qu'on descend quand même. Il y a des gens. Il y a beaucoup de monde quand même. Quoi? Ah, tu fais. Tu fais. Non, attends, on peut aller là ou pas? Voici tous les objets qui appartenaient à la guerre dans l'ancien temps, les gars. Des cuillères et tout. Oh là là. Tout ça qui a été trouvé à la plage et tout. C'est un truc de fou. Des masques à gaz et tout. Des cuillères. Ça, je sais pas ce que c'est. Masque. Ah non. Je sais pas. Je vois pas. Des cuillères, mon point. Ça, je sais pas ce que c'est. Le truc. Il y a marqué Dagger dessus. Il y a un couteau pour ouvrir les canettes de bière, là, juste là. Masque à gaz et tout. Une gourde. Putain, c'est la première fois que j'en vois une devant moi, en plus. Une gourde, c'est un... des bouteilles. On dirait les petits faucons de Red Dead. De Red Dead. Oui. Bon, par contre, les gars, désolé, c'est bon. Là, voilà, c'est l'entrée. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. En tout cas... c'est le musée qui nous intéresse, ça j'ai aimé. Donc c'est une vidéo spéciale pour vous les gens. Hein. C'est mon petit cadeau de 2019. Ça fait très longtemps que je voulais... J'ai remis des armes. Attends, tu as déjà fait voir. Voici les pistolets les gars. Alors il y a des murs là. Donc ça c'est quoi? Un mousquet. Un fusil. Il y a des balles de fusil et tout, regardez. Il n'y a rien là. Qu'est-ce que c'est là? Ah, on peut y aller. Attends.
on y va. Bonjour. Bonjour. Kumba. Donc voici l'entrée hein, ici, avec le truc qui tourne machin. Ils ont tout bien fait quand même. Hein. Je vais faire une ellipse, les amis. Les colonnes autorisées allemandes atteignent Berlin en 19. Elles ont fait un bond de plus de 70 km en un seul jour. Le lendemain, un nouveau bond de 80 km jusqu'à Albuil. Le 25 mai, les Allemands franchissent le canal là entre Gravelines et Bois. Ils ne sont plus qu'à 20 km de Dunkerque. Le 26 mai, les autorités britanniques déclenchent l'opération Dinan. Dirigeons maintenant vers notre droite. Les navires qui transportent les troupes sont confrontés à de nombreux périls. Les bancs de sable et des eaux minées les obligent à suivre maintenant des routes surveillées par l'artillerie que l'ennemi a installées sur le côté belge et français. La Luftwaffe est très présente au ciel. Et les vedettes de la Kriegsmarine viennent torpiller les navires. Le 26 mai, les navires anglais prennent la direction de Dunkerque par l'itinéraire Douvres-Calais, puis le long de la côte jusqu'à Dunkerque. C'est la route Z. Le 27 mai, un bombardement anéantit presque totalement le port et la ville de Dunkerque, sans épargner les navires de l'opération Dinan. Et là, il y a Berg, tu vois. Le 29 mai, intervient la décision officielle d'évacuer les troupes françaises. La route Y connaît un trafic intense en dépit de l'activité de l'artillerie de Nieuport et des bombardiers de la Luftwaffe. Le même jour, les Britanniques ouvrent la route X à travers Bine et Vent de Sable. Le bilan de la journée est sévère. 15 navires anglais. L'amirauté britannique décide d'abandonner la route. C'est quoi ça? En ce temps, on trouvait le réembarquement sous les ordres de l'amiral Amrial. Le général Fregald s'envoie à compléter le dispositif de défense du camp retranché avec les rescapés de la retraite. 8 divisions allemandes bien équipées, appuyées par une aviation efficace, assiègent le camp retranché défendu par 4 divisions. Les hommes sont découpés par 3 semaines de déplacement, de combat et de bombardement. Fume pas les gens. Fume le quartier. On va faire le grand. Non, on peut pas y aller. Écoute, je pense qu'on a tout visité, Jérémy. On fait quoi du coup? On reste encore un peu, on éteint la vidéo. On a tout visité là, je pense. Hein. Donc on peut couper la vidéo. Bah écoute, on va sortir, on va y voir. Je fais une coupure. Bon écoutez les gars, on va stopper la vidéo. J'espère que cette visite vous aura plu les gars. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes. En ce moment j'ai des petits problèmes de vue aussi, mais j'espère que ça va ira. J'espère que ça ira quoi. Merci à Jérémy d'être venu quand même. Donc là, nous, on va faire encore une fois la visite, mais sans vidéo, tu vois. On va rester encore un peu. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Partagez si ça vous a aimé, tu vois, cette vidéo. Voilà. Bombardez la barre des likes. Abonnez-vous, partagez. Et n'oubliez pas aussi le commentaire qui fait toujours du bien. Et me faire des vues, si vous voulez. Vu que j'ai des problèmes de vue. Donc voilà, on va vous laisser là. Bonne journée à vous. Voilà, je vais mettre la vidéo ce soir. Et je fais un petit coucou à Zorkaf, voilà, dans cette vidéo. Et voilà, à tout le monde que je connaisse. Salut tout le monde. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Salut.